Salut, c'est Samuel pour Adopta Motard. Je prends la relève de Shinze qui est en confinement à domicile en ce moment. Donc pour vous présenter ma Kawasaki W175. Donc là on est sur Bangkok. Donc c'est une Kawasaki W175 Café Racer. Je vais vous la présenter en faisant un tour de chez moi en fait. Alors je vais vous mettre les infos sur la bécane sur l'écran. Mais en gros donc c'est une 175 cm3, 5 vitesses. Elle coûte dans les 86 000 bahts en Thaïlande. Elle est aussi accessible en Indonésie et au Vietnam. Elle est assez populaire là-bas. Pour l'instant, pas de nouvelles pour une sortie éventuelle sur le marché européen ou en France. Ici, en Thaïlande, elle est concurrencée par les GPX Legend et aussi les Stallion. Et je pense qu'elle fait clairement le poids contre ces motos. Cette moto, dans l'idée, c'est pour des petits trajets à Bangkok ou en ville, en fait. C'est parfait pour 50 bornes environ, quoi. Après, ça commence à faire un peu mal aux fesses si on fait plus de bornes. Bon, en réalité, on peut faire quand même beaucoup plus de kilomètres. J'ai déjà fait un road trip dans le nord avec en faisant dans les 300 km par jour, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire des pauses pour ses fesses. Niveau équipement, on est très basique pour garder les coups bas, mais aussi pour garder le côté vintage et classique. Donc, on a un indicateur neutre, un indicateur de clignotant et les feux. C'est tout. Pas de jauge d'essence sur cette moto. Le réservoir fait 13,5 litres. Ce qu'on a pour remplacer cette jauge d'essence qu'on n'a pas, c'est une petite valve à gauche de la moto. Elle a trois modes cette valve. Le premier mode, en fait, c'est de prendre l'essence sur le réservoir principal. Le second mode, c'est de couper totalement l'arrivée d'essence. Et le dernier mode, c'est de prendre dans la réserve. La réserve, elle fait environ 20 km, donc il vaut mieux pas être perdu en pleine cambrousse. Alors pourquoi j'ai pris cette moto pour commencer? En fait, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est ma première meule manuelle. J'ai tout appris moi-même et aussi avec des amis passionnés de moto. Je la conseillerais à tous les débutants pour plusieurs raisons. Première raison, elle est légère, elle n'est pas trop haute. C'est facile à manœuvrer. On se penche facilement aussi. On touche facilement le sol quand on est à un feu pour s'arrêter et à attendre. Parce que les feux sont spécialement loin. Après, c'est pas un gros moteur aussi, donc ça pousse pas très fort. Donc c'est bien pour débuter. Spécialement à Bangkok, comme vous voyez, il faut souvent s'arrêter, faire très attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles, c'est la jungle un peu, même s'il y a un code. Ouais, la conduite à Bangkok, elle est assez dangereuse. Le mieux, c'est de faire super attention en fait à tout ce qui nous entoure. En gros, en Thaïlande et à Bangkok, la règle qui prime, c'est l'ordre de la chaîne en fait, de la jungle. Les piétons, ils sont tout en bas, ensuite il y a les cyclistes, ensuite il y a les motos, et tout ce qui est au-dessus, vous les laissez passer. Taxi, bus, camion. Donc on laisse la fierté à côté, on laisse le code à côté même si on a la priorité. Il y a souvent des travaux donc il faut faire super attention. Il y a souvent du contresens aussi comme vous pouvez voir donc il faut faire très attention. Ça c'est systématique en Thaïlande. Pour résumer, c'est plutôt simple à prendre en main et elle a beaucoup de style si on aime les motos vintage et les cafés racers. D'ailleurs à Bangkok il y a une tonne de magasins de custom et ça permet de modifier sa moto comme on le veut. On peut la modifier en scrambler, on peut la modifier en bobber, moyennement coût. Tout est possible. Petit point négatif, le carburateur qui est là. Enfin, la manivelle de carburateur, elle est là. En gros, si le moteur il est pas chaud et que le mélange air plus essence n'est pas bon, la moto va caler toutes les 3 secondes. C'est un enfer. Sinon, autre petit souci, c'est qu'il n'y a pas de bulle fournie avec. On peut en acheter une séparément. Donc, quand on est à 80, on sent un peu le vent. Par contre, niveau vibration, ça va. J'ai poussé maximum dans les 110. Donc mis à part ça et qu'il n'y ait pas de jauge d'essence, il n'y a pas d'autre gros défaut à dire pour une moto de cette gamme. Alors sinon, niveau suspension et frein, c'est normal, il n'y a rien à signaler de ce côté. Voilà, test de la suspension. Vous voyez, ça se passe. Après, les dodanes ici sont vraiment assez hauts. Voilà, sinon, je voulais remercier Shinze de m'avoir laissé l'opportunité de vous montrer Bangkok et ma bécane. Nous, on rentre en période de confinement maintenant. À bientôt de l'autre côté. Parce qu'en fait, je suis aussi un des monteurs de la chaîne, Adopte un motard. Et sinon, comme on dit ici, ça va dire crap. Ce qui veut dire au revoir. Allez, salut. Voilà, alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, etc. Si tu veux prendre contact avec moi, tu vas sur adopteunmotard.com. Tout en bas, un formulaire, tu m'envoies un petit message, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant ici. Si tu veux voir une nouvelle vidéo, tu cliques là. Soyez prudents sur la route et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.